Je sais pas si on joue vraiment Cookie parce que le Rush 3 est pas top dans ce lobby. Je pense que j'ai plus envie de jouer Galak. C'est bon, on peut y aller? J'ai préparé vos serviteurs et tout le reste. En vrai, ce sera fort d'acheter ça puis ça. On va type Boudi pour deux. Attendez, mais... Ah, ils ont juste annoncé le patch tout à l'heure. Il est même pas encore sorti, en fait. C'est bien ça. Je croyais qu'il était déjà plus en taverne 2, lui. Encore une game Murloc en vue? Non, non. Pas forcément. Donc là, pour le coup, il y a bed, donc ce sera... Oh, l'amalgame. Si c'est pas un insta-buy, ça. Bon, sûrement, il level up juste. Nice. Excusez-moi, pensez quand même à garder un œil sur le classement. Eh ben, vous leur en avez fait voir. Oh, une hydre. Que des trucs tentants à tous les tours. Ou ce magnifique chambellan. Il a rush 3 donc je peux attendre. Je suis pas obligé de poser mon Murloc. Vous êtes vraiment incroyable. Il a une game bizarre de non-œil, lui. Ta gueule, toi, nous. Ça semble se faire relativement facilement. Hein. Je me vois bien perdre deux fights. Hein. Non, on est d'accord que main courante, ça me hype pas à jouer, mais les autres quêtes étaient pas beaucoup mieux.
continuer comme ça. Est-ce que toi aussi, Maxime Lou, tu fais partie des personnes pour qui le football rend les journées plus tristes? Franchement, si le football n'existait pas, et que du coup je ne supportais pas une équipe de merde, je serais tellement plus heureux. Jamais je pourrais faire un truc pareil, moi. Jamais. Bah ouais, mais imaginez, je gagne là. J'aimerais bien une Big Elisa, mais du coup je vais prendre cher quoi. Ça vaut le coup. Je pense qu'on va plutôt faire ça. La terreur des marins. Continuez comme ça. Oh. Si on peut avoir le petit match nul là, mon rêve. Ça va bien être la petite défaite, hein. Hier soir, mon équipe a fait 0-0 et s'est qualifiée. Ah non, tu me dégoûtes. Si c'est l'équipe à laquelle je pense, tu me dégoûtes. Ouais, les pirates ils sont là, ils font tous un petit pit stop là. Toi nous dans un mood casse-couille, ouais c'est étonnant hein. Mais moi, je comprends pas, mais du coup éclaire-moi, comment tu te retrouves à être supporter de Bruges quand t'es wallon? Mais genre ça, pas de jugement hein, c'est... J'imagine qu'il doit y avoir une bonne raison, mais comment? Comment tu te retrouves à te faire snipe à Elisa au premier hit à chaque putain de fight? Comment? Une mauvaise passe, ça arrive. Tenez, j'ai peut-être de quoi vous remonter le moral. Ils auraient pas oublié mon drop 4. Ces connards. Elle est en train de me coûter plus de points de vie qu'elle ne m'en rapporte cette quête. C'est pas un bon bail là.
Je suis bien dans les toits de naissance. Oui, mais tu parles français. Il y a une certaine logique dans le fait... Ah, en fait, ça n'a rien à voir, ce que tu me dis. C'est que du coup, tu dois avoir des racines wallonnes, tu supportes un club wallon. Oui, non, mais toi, c'est sûr que tu supportes le standard, tellement t'es con, en fait. Il n'y a pas de doute. La logique est toute prête. Okay. On veut ça et on veut transformer un 4 en un bon bail là. Est-ce qu'on veut ça? Laissez-moi réfléchir. Faudrait qu'on garde un truc en main, mais... Le truc, c'est que ça, c'est pas pertinent de le garder en main, parce qu'il prend des boosts en étant sur le board. Je pense que juste, on va roll. C'est pertinent de garder ça en main, pas vraiment. Non, je pense que ça vaut pas le coup. Ça, par contre... Ça, par contre... Putain, c'était ça, l'erreur. Aïe, aïe, aïe. Faut pas que ça finisse en autre boudin. J'ai pas vu le message de Bjorn. Tu permets d'insulter. J'ai dit quoi comme insulte? J'ai dit qu'il était con, c'est ça? Ah ouais. Grosse insulte. Il doit pas être bien là. Je n'ai jamais douté, pas une seule minute. Ok. C'est mon copain, Tony. Tony, je l'aime bien. T'aimes bien, moi. Ah, mais attendez, mais j'ai plein de pirates à la con, en fait. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer, en fait. C'est la vie. Y a pas méca, je peux jouer comme ça, je pense.
Il y a un petit 50-50 qui se joue ici, mais rien de bien grave, quoi. Faut pas que ça finisse en autre boudin. Oh non. C'est triste. Actuellement très très triste. Mais attends. Donc là, on n'a pas eu le proc de Tony et on s'est fait scam. Ah non, je suis extrêmement triste en fait. Bon, mais en plus on a boosté ça parce que je l'ai gardé en main. C'était vraiment un terrible misplay ça. Celui-là, c'est un dur à cuire. Je veux pas vous mettre la pression, mais faudrait peut-être que vous embauchiez quelqu'un. Est-ce qu'on up pas juste si hein. Tu gagnerais pas en stats à long terme. Le truc, c'est que Khadgar, tu dois le jouer quand tu joues 6 serviteurs. Et le faire quand t'as même pas de baron, c'est pas méga rentable en vrai. Toi, nous, t'auras un diamant le jour où tu seras à 99 plus timeout. Et ce sera couplé avec un permaban de ton compte. N'oubliez pas que moi, je crois en vous. Oh fuck. Nous perdons, les amis. Ok, au moins on a eu la Elisa qui a proc. Oh attendez. On va bel et bien perdre. C'est pas une grosse défaite. Là, il nous faut vraiment trouver le baron. Je pense même pas que j'ai... Oh putain, qu'est-ce que c'était con le... Ah, en vrai, on pourrait tenter la deuxième Elisa du coup. Oh. Ça, j'aime bien, mais à la place du Tony du coup. Comme ça, ça chope le shield. J'aime beaucoup en réalité. Et on tente toujours baron là-dessus. Il n'y avait pas de baron chez notre adversaire. Hein. Non. Ce serait vraiment l'opportunité d'avoir un baron à garder dans la main, quoi. Non. Une hydre à garder dans la main. S'il y avait beaucoup de joueurs de bêtes, l'hydre serait bien, mais là j'y crois pas trop. Je pense que Baron sera juste bien meilleur. Par contre, donner taunt à ça, ça semble pas con. Étant donné que le machin est big. Pas de Tarek Goza doré, bah non, je préfère en avoir deux avec bouclier divin qu'une dorée. Pour le coup.
Le Khadgar, il va devoir rentrer, il est tellement big maintenant. Ce qui m'inquiète, c'est que je vais pas pouvoir jouer à... Je vais pas vraiment pouvoir jouer à 6 serviteurs. La game est trop compliquée. Au final, j'aurais dû tripler ta règle. Bah après, j'ai pas encore le baron, donc... Pas non plus déjà se poser la question. Il est si big, lui. Toujours pas de baron. Vous mettre la pression, mais faudrait peut-être que vous embauchiez quelqu'un. Je vais quand même le rentrer, hein, parce que bon, il est juste trop big. Nous devons nous rassembler, nous battre ensemble pour Talan. Avec la taille qu'il a, c'est juste pertinent de le rentrer. On peut même mettre lui en 1 en réalité. Ah, lui, il se fait pas zap, non. Pas possible. Par contre, le baron, il pourrait se faire zap. À part un baron, je cherche que un baron. Hein. C'est pour ça que j'ai roll tous mes golds sans rien acheter d'autre. Je cherche vraiment exclusivement un baron. À la limite, ça peut peut-être être bien d'aller foutre une Nadina derrière les Tarek Goza en tempo. Mais ouais, ce qui m'emmerde, c'est que ce Khadgar, on le joue plus parce que c'est une 38-38 qu'autre chose au final. Parce que, en termes de rip-up à porter, bah pour l'instant, il en apporte. Bah là, il va en apporter deux, quoi. Un ici et un ici. Et j'imagine que c'est pas horrible, hein. C'est pas non plus le Khadgar de l'année, quoi. Mais le problème, comme je l'ai soulevé, c'est que... Imaginons même que je chope Baron. J'aurais pas la place. En fait, ce qu'il faut, c'est tripler Tarek Goza, je pense. Faut tripler Tarek Goza. Si je chope le Baron, évidemment. Si je chope pas le Baron, de toute façon... Ou alors j'aurais juste du up, enfin un HP pour Nadina direct. Il y a Murloc. Peut peut-être être bien d'acheter lui, le garder en main. Pour essayer de lui filer Toxi. Ouais. Bon, l'avantage, c'est qu'on a fait scale deux beaux bébés, quand même. Donc, même si notre synergie avec Elisa est pas ouf, on a bien emmagasiné à chaque fois les Tarek. Mais ouais, Tarek Goza doré, le problème, c'est que ça, si je chope Baron doré, c'est bien. Enfin, un Baron tout court, c'est bien. Mais si je chope pas Baron, ça rend juste mon board plus faible. Et ça, j'aime pas trop. Je me demande si, ouais, mon out, ça va pas être tout simplement être de jouer avec Toxi là-dessus et HP pour une Nadina plutôt que de chercher le Baron en vain.
Continuez comme ça. Oh. Tu as dit depuis le début, on s'en sort pas mal, hein. Les tarés Goza continuent à grossir et ça me donne vraiment pas envie de la tripler. J'ai l'impression que je me rends beaucoup plus faible si je triple mon shield là. Non? La Nadina. La fameuse. Avec plus de serviteurs, vous gagnerez en puissance. La toxie pour ça, et je serais plutôt heureux, hein. Oh, le baron. C'est pour ça que j'ai envie de la jouer ce tour. Je suis en intense réflexion là. Je pense que c'est trop tard pour le baron, juste. Je pense que c'est malheureusement juste trop tard. Ou alors... Non, j'aurais pas la place en fait. Non, non, non. Vous vous en sortez très bien, ne changez rien. Mais j'ai pas la place pour jouer un baron de toute façon, à partir du moment où j'ai... De toute façon, j'ai une assez bonne idée de ce que j'ai envie de jouer. Hein. J'ai envie de rentrer ça avec une toxie, et j'ai envie de rentrer une mantide que je récupérerai sur un pouvoir. Et petit à petit enlever tout le reste. Terre. Assez peu pertinent, je pense. Ouais, non, je veux vraiment la toxie ou la... Est-ce qu'on up pour la mantide? 29 fucking triples. Ah oui, mais la game est juste finie, là, en fait. Il faut que j'ai la toxie ou la mantide tout de suite. La crème de la crème, rien que pour vous. Hmm. 29, ouais. Voilà, c'est loose. Hein. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Dommage. Oh! Je sais pas pourquoi j'ai dit oh, hein, ça reste la merde, mais... Faut que j'espère taper en deuxième, hein, y'a pas de... Enfin, en fait, on peut juste faire ça, ouais.
Oh le hit de merde. Oh, oh le hit scandaleux. Ah par contre nous on se fait bien péter nos shields hein. Ouais. Ah il y avait de l'idée mais... Vous voulez où je vous dise. Ouais. En vrai il y avait un setup sympa hein. Parce que le board que j'ai là, on rajoute une mantide. Genre les deux Taregosa, l'amalgame toxine, Adina, c'était plutôt très fort.